Eh mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la suite de Fly Forever Loving You sur l'histoire avec Clément. Et le chapitre 7. Après ce sera le dernier chapitre disponible et on commencera le nouveau Let's Play. Oui oh. C'est Mélanie à gauche. Qu'est-ce qui m'a envoyé ça? Il y a quelque chose qui ne va pas, Saïwa? Je fais signe de s'écarter pour lui en parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas trop moi-même. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Commence par le début. Je vais raconter pour Juliette mes inquiétudes et etc. Et il y a quelques minutes, j'ai reçu un message qui disait « J'espère que ça t'aidera ». Juste après ça, j'ai reçu un MMS et je ne sais pas du tout ce que je dois en penser. C'était quoi? Je lui ai montré la photo. Ah, je vois. C'est bizarre que quelqu'un t'envoie ça comme ça. La photo m'a l'air de dater en plus. À la voir, je comprends pas. Je comprends pourquoi cette histoire entre Béatrice, Mélanie et Juliette avait l'air si compliquée tout en étant banale. C'est vrai que je m'y retrouvais pas trop non plus alors que j'étais au collège avec elle. Et tu sais pas du tout qui t'a envoyé la photo? Les MMS en inconnus, c'est possible au moins? Aucune idée. Tu crois que c'est la même personne qui a écrit le mot que Josh a trouvé à Juliette? A retrouvé? Je sais plus. Je ne sais pas trop si c'était quelqu'un de mal intentionné et pourquoi te l'envoyer à toi. On dirait plutôt quelqu'un qui cherche à t'aider à comprendre cette histoire, non? Pourquoi moi? Pourquoi cette personne ne s'en occupe pas? Enfin, je ne comprends pas trop ce que je suis censée faire de cette information. Et qui m'a envoyé ce message? Déjà, tu peux nous éliminer des potentiels expéditeurs. Moi, Josh, Béatrice, Nabil et Clément. On était tous là à discuter. Tu as donné mon numéro à combien de personnes? Je sais plus trop, désolée. Qui d'autre ça peut être? Qui pourrait être au courant de mes inquiétudes et de nos investigations? Lorraine? Attends, Saïwa. Tu te rappelles de la conversation qu'on a entendue entre Clara et Emily? Elle a raison, qui d'autre est au courant à part Mel et... À part Mel, bien entendu. Bah, y'a toi, moi, la personne concernée, et puis Béa, il me semble. Et peut-être même son frère, là, Clément. Il me semble que oui, mais... Il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre la prenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais. Quoi que ce soit, elles étaient au courant toutes les deux. Emily est assez distante derrière moi. Ça ne m'étonne pas qu'elle ne nous en parle pas. Pourtant, elle était censée mépriser Mélanie, je ne comprends pas trop son comportement. Que ce soit elle ou Clara, dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'elle nous envoie un MMS à moi, enfin je sais pas. Elle reste suspecte. Vite, avant que les autres ne se posent trop de questions, t'as pas d'autres idées? Si on me parle de mystère, je pense tout de suite à Thomas. Ouais, il faut mener l'enquête alors. Je l'entendais leur dire pourquoi est-ce que je ferais ça, blablabla. J'ai rien à voir avec vos gamineries, blablabla. Superbe imitation. Personne à qui tu as donné ton numéro? À qui tu as prêté ton portable? Non. À part Marion, la sœur d'Evan, pour qu'elle s'envoie une photo que j'ai prise de deux. Ah, tu rencontrais Marion? Bon, ça m'étonnerait vraiment que mes cartes en personne ne te laisse de suspect. Dans les fictions, c'est toujours les personnes qu'on écarte trop vite et qu'on soupçonne jamais et qui sont coupables. Tout ça me donne un mal à la tête, j'ai du mal à réfléchir. What neuf, les gars, on fait bande à part? Non, c'est pas ça. En fait, je me sens pas trop bien. Je vais rentrer chez moi, je suis désolée. T'es sûre? Ouais. Dommage. Bon, bah ça sera pour une autre fois alors. Je suis rentrée chez moi et j'essaie de ne pas trop y penser. La photo, est-ce qu'elles étaient en couple? Et se sont séparées? Est-ce qu'elles le sont encore ou et jouent un rôle pour le cacher? À chaque fois que je réussissais à penser à autre chose, ces questions revenaient sans cesse. J'ai passé le week-end à regarder des séries et à jouer à des jeux sur mon téléphone. Lundi. Et Clément?
Ok, il n'y a pas d'incidence. Je vais choisir la deuxième. Après Suken qui m'a paru très long, me voilà de retour au lycée, 36 000 questions en tête. Après mes réflexions, je me suis dit que je me devais d'enquêter plutôt que de rester dans mon coin avec mes théories. J'ai donc décidé d'arriver en avance au lycée, histoire de parler un peu avec tout le monde. Salut Lorraine! Hey Sawa, comment ça va? Ça va, toi t'as pas l'air d'aller, je me trompe? Oh, c'est rien, des problèmes avec l'administration. De quel genre? Des papiers qu'on me demande de faire signer par mes parents alors que je ne vis plus chez eux et que je suis majeure pour faire cours. Je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois, je crois que j'avais plutôt fait ça. Tu ne vis plus chez tes parents? Non, c'est une longue histoire, j'ai mon propre appart avec Gab. J'ai eu des petits soucis avec ma famille, du coup j'ai pris un peu de retard au niveau scolaire. Mais bon, je me sens bien plus épanouie maintenant. D'ailleurs, tu n'es pas du lycée. Si tu n'es pas du lycée, Gabriel, vous êtes rencontrés comment? Est-ce que tu es curieuse aujourd'hui? Disons qu'on a tous les deux un parcours de vie similaire et qu'on s'est très bien trouvés. Au bon endroit, au bon moment. C'est mignon. Vous avez de la chance de pouvoir compter l'un sur l'autre. Je suis certaine que tu trouveras ta moitié toi aussi. En tout cas, tu le mérites. Et qui sait, peut-être que tu l'as déjà rencontré ta moitié. Bon, je te laisse moi ce soir. Bisous. Sinon, comment ça se fait que t'es là aussitôt aujourd'hui? J'étais juste en avance pour une fois, alors j'ai décidé de venir plus tôt. Très bien, je vais à la fermerie, je te laisse. On se voit plus tard. À plus. Est-ce que je vais leur parler? Allez, il le faut. Salut Emily. Oh, salut Saïwa, ça fait longtemps. Ouais. Je ne sais pas du tout comment parler de cette photo sans avoir l'air bizarre. Je devrais en parler une autre fois, je pense. Ça a été le contrôle de littérature avec Monsieur Kseski l'autre jour? Ouais, mieux que j'imaginais. Et toi? Pareil. Je devrais aller voir quelqu'un d'autre. Bon, j'y vais. Salut. Salut. Tiens, Thomas qui sourit, c'est pas commun. T'as vu un fantôme ou quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? C'est juste rare de devoir sourire comme ça. Tu habitues pas trop. Ok. Mademoiselle Lys? Je peux toujours compter sur vous pour la réunion de cet après-midi. Oui, bien sûr. Très bien, je vous retrouve devant mon bureau à 14 h. Merci encore. Hey, tout va bien? Et toi, ça va? Ouais. Aide-moi à essayer de trouver ce qui ne va pas, Saïwa. Rachel ne veut pas me le dire. Mais y a rien, tu te fais des films. Je sais quand quelque chose ne va pas, et visiblement c'est le cas. Allez, tu peux nous faire confiance à nous. Vas-y, Rachel. C'est pas une question de confiance, c'est juste que je préfère penser à autre chose. Visiblement, tu n'arrives pas à penser à autre chose. C'est encore Alex. Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là? J'ai pas envie de vous embêter avec ça, mais vas-y, ne t'en fais pas. C'est rien, c'est juste qu'il n'arrête pas de m'envoyer des messages alors que je lui ai clairement dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. Je l'ai bloqué sur Facebook, mais maintenant il m'envoie des messages presque 5 fois par jour pour me dire qu'il veut me parler. J'en ai marre, je veux plus du tout entendre parler de lui. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Elle lui a tendu son téléphone. Message, paramètres, paramètres des spams, et voilà, Alex ajouté au spam. Je savais même pas que c'était possible. Et voilà, tu en es débarrassé, virtuellement en tout cas. Ben, merci beaucoup. Pas de soucis, c'est à ça que te servent les amis, Rachel. Ne garde pas ce genre de choses pour toi. Ouais, je sais, je voulais pas vous embêter, merci. Mais tu ne nous embêtes pas, d'accord? Garde ça en tête, garde pas les choses pour toi, tu vois? On pouvait t'aider. Enfin, en l'occurrence, Evan pouvait. On a changé de sujet, parlé de choses un peu plus joyeuses avant d'aller en cours. À la fin du cours. Je dois aller rendre un livre au CDI, je vous laisse. On y va? Je préfère attendre un peu. Pourquoi? Il y a un souci? C'est rien. C'est juste qu'Alex avait dit qu'il allait m'attendre à la fin du cours pour parler et j'ai pas la tête à ça. Comme je l'ai bloqué, je sais pas s'il a abandonné l'idée ou pas.
Tu sais, j'aimerais bien te dire de l'ignorer, mais à ce stade, il va continuer à te harceler jusqu'à ce que tu l'écoutes. Je me dis que peut-être tu devrais l'écouter une dernière fois et lui dire clairement qu'il te laisse tranquille. Je n'avais pas remarqué Nabil qui nous écoutait au fond de la salle. J'ai entendu de votre conversation et je suis désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Alex qui est en terminale, c'est celui que tu m'as parlé samedi. T'es plus avec lui et te harcèle, c'est ça? Il me harcèle pas vraiment. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Il ne faut surtout pas que tu lui donnes ce qu'il veut. Si tu fais ça, il arrêtera pas. Alors je dois continuer à l'ignorer jusqu'à ce qu'il arrête? Yep, il faut juste que tu lui montres que tu t'en sors très bien sur lui et que tu n'as pas besoin de lui. Et il le laissera tomber. Et comment tu peux en être sûr? Il ne va pas encore plus la harceler? Crois-moi, je connais les rôles de son genre. J'ai bien peur que j'étais un peu comme lui à une époque. Suivez-moi et jouez le jeu avec moi. D'accord? Nabil a mis son bras autour de l'épaule de Rachel et nous a suggéré de ne pas croiser le regard d'Alex et de faire comme s'il n'était pas là. On a dépassé Alex sans lui prêter attention et il n'a pas essayé d'aborder Rachel. Il avait l'air mauvais. Ça a marché, j'en reviens pas à lui et qui s'y collant. C'est vrai, j'y crois vraiment pas. C'est peut-être parce que t'étais là aussi? En tout cas, toute cette histoire m'a permis de voir une facette d'Alex que je ne connaissais pas. Ou du moins, pas à ce point-là. T'inquiète, le simple fait de faire comme si sa présence t'était indifférente, ça va l'énerver et il va passer à autre chose. Et ouais, je comprends. Bon, je vous laisse, j'ai cru comprendre qu'on se retrouvait tous à 14h à la réunion du Cével, non, à toutes. Alors? Alors quoi? Alors comme ça, on s'est rapproché de Nabil, ce que je vois. Ouais, mais pas comme t'as l'air de l'insinuer. Bah, on a fait notre exposé ensemble, et puis aussi, quand t'es parti samedi, on a beaucoup parlé. Et quoi? Tu l'aimes bien? Il est gentil, oui. Mais je ne suis pas du genre à avoir un crush sur le premier mec qui m'apporte attention ou qui se montre un peu gentil. Sinon, je serais déjà tombée amoureuse d'Evan depuis bien longtemps. C'est vrai. En parlant d'Evan, il n'a pas dit qu'il serait au CDI pour rendre un livre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? On l'aurait vu en arrivant s'il avait déjà rendu son livre. C'est vrai, il doit pas être bien loin. On le cherche? Avec plaisir. J'adore quand tout devient un peu mystérieux et secret comme ça. Oui, mais au final, presque à chaque fois, on se retrouve avec un tout petit secret pas vraiment intéressant. Il doit juste être aux toilettes ou un truc du genre où il est parti rejoindre Clément. On verra. On a fait un tour du lycée en vitesse. Arrivé dans un couloir peu fréquenté, on l'a enfin trouvé. C'est là que tu te caches? Hé, vous me suivez? C'était mon idée, désolé. Pour être exact, on te cherchait. On ne savait pas où tu étais. Non, mais c'est rien, j'ai rien à cacher. Je suivais moi-même quelqu'un. Tu suivais l'élu de ton cœur? Non, c'est pas Clément que je suivais. Ils se sont mis à rire tous les deux. Je pense que le Van d'il y a quelques semaines n'aurait jamais blagué de la sorte à cette question de Rachel. Plus sérieusement, je suivais Emily. Je pensais la trouver encore à courir après Clara ou même Mélanie. Mais non, elle est juste allée aux toilettes. C'est loin, il y en a à notre étage ou même partout ailleurs. Il m'a semblé la voir repartir en se mouchant, ça peut. C'est peut-être qu'un rhume ou autre chose. Je commence à m'inquiéter un peu, c'est peut-être plus sérieux que de simples nouvelles fréquentations. Tu penses à quoi? Je sais pas, je sais vraiment pas. On le saurait si elle allait mal, non? Elle parle pas beaucoup d'elle quand on y pense. Et puis, elle se censure avec moi depuis qu'avec Alex, ben. J'ai écouté en acquiesçant et sans intervenir. Ils tiennent vraiment Emily malgré les non-dits et la récente distance. C'est vraiment rassurant en un sens. Après cette conversation, on est parti manger. On ne mange pas avec Clément? Nope, il est avec Josh et Nabil. Mais Nabil et lui regardent le groupe répéter et ils iront manger après la réunion du CVL en ville. Tu ne vas pas avec eux? Non, je laisse un peu de liberté à Clément quand même. Il vient d'arriver, alors je le laisse se faire de nouveaux amis. Il a l'air de bien aimer Nabil. Ça ne te dérange pas de rester tout seul? Je suis pas tout seul, je suis avec vous. Et je me débrouillerai bien avant qu'il soit là. Je me débrouillais bien avant qu'il soit là. On a des degrés de sociabilité différents. On peut pas toujours être ensemble. Evan arrive à faire très enfantin et très mature à la fois. C'est bizarre.
Mais il a une capacité à faire la part des choses que j'envie. Je vous laisse mon plateau, j'ai promis à Sarah de lui passer mes notes de CES. Je reviens. Dis Evan. Qu'est-ce que je lui avais dit la dernière fois? Je lui avais dit comment ça va. Je sais pas si là j'ai envie. Je m'en fous un peu parce que c'est ma partie Clément. Donc si je perds de l'affinité avec lui, c'est pas si grave. Ok, je veux quand même savoir, du coup je vais demander. Ça se fait pas, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as encore des sentiments pour Rachel? Ah, je suis un peu direct, ok. Quoi? Comment ça? Tu sais, Emile, elle avait plus ou moins laissé entendre et au début ça se voyait, tu avais les mêmes goûts qu'elle, tu rougissais quand elle était là. Et là, en quelques semaines, je te trouve différent. Tu lui parles comme à Clément, par exemple, genre de manière décontractée. Je vois, je vois. On va dire que ces dernières semaines, j'ai réalisé que l'idée que je me faisais de mes amis et de ce qu'ils étaient, c'était différent, tu vois. On a changé depuis la sixième et passer un peu plus de temps avec tout le monde m'a permis de remettre plein de choses en perspective. Avant que tu n'arrives, tu m'aurais trouvé la plupart du temps tout seul au CDI. En compagnie d'un livre, Emilie, elle, avec Rachel et son frère. Et puis c'est pareil pour les premières. Tout le monde évitait Juliette avant. Josh n'avait pas vraiment d'amis à part Béatrice. Et en très peu de temps, toi et Clément, vous avez tout chamboulé. C'est vrai? C'est marrant. Attends, pourquoi tout le monde évitait Juliette? Je ne sais pas trop non plus. Mais pas que Juliette, il y a Lorraine aussi. Les gens les trouvaient bizarres apparemment. Pourquoi? Sûrement à cause de ce qu'elles sont. Oui. Bah maintenant on sait. Juliette on savait parce qu'on pouvait l'avoir en crush. Mais Lorraine ça m'a vraiment... Je m'attendais pas du tout en fait. Les gens peuvent être bêtes. De ce qu'elle... C'est bon, elle a fini de prendre mes notes en photo. Elle m'a fait réaliser que la fin des cours c'est pour super bientôt en fait. Surtout pour nous les secondes. Je crois que ça va être... Ça va être ça le... La thème du... Écoute... Ça fait déjà longtemps que je filme, à force je me perds. Tu crois que ça va être ça le thème de la réu du CVL? Peut-être. J'ai pas trop voulu reposer la question à Evan pour ne pas trop l'embêter. Surtout que je sais exactement à qui m'adresser. Hé Clément, ça te dérange si je te pose quelques questions? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me déclarer ta flamme? Je te laisse inscrire ton nom sur la liste d'attente de mes fans qui est très longue. Ils sont pas avec toi, Rachel et Evan? Non, ils ont rejoint Emilie après la cantine. Oh, je vois. C'est quoi ton problème avec Emilie d'ailleurs? Je ne sais que tu la portes pas dans ton cœur, mais pourquoi? Ah, t'es venue me voir pour faire les entremetteuses. Je suis déçue profondément. Non, je suis venue pour toute chose en fait. J'ai vu que tu avais grimacé à la mention d'Emilie. Je t'expliquerai un jour peut-être. Elle manque beaucoup de tact et j'ai pas beaucoup confiance en elle maintenant. Que je puisse faire pour toi? À propos d'un secret. Que je pense que tu sais, mais... Je ne sais même pas si c'est un secret. Ah, si tu veux que je crache le morceau sur un secret, compte pas sur moi. Je suis une tombe. Un secret est un secret. À part si à 50 euros en passé, je sais pas. Je peux peut-être ouvrir ma bouche? Quoi? Du calme, je plaisante. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je me trompe si je te dis que je sais que tu connais un secret sur Juliette et quelqu'un d'autre? J'aime pas ce genre de questions où j'ai l'impression que peu importe ma réponse, tu vas obtenir ce que tu veux savoir. Sois plus précise. Je vais montrer la photo. Je fais référence à ça. Où est-ce que tu as eu ça? On me l'a envoyé, si tu as réagi comme ça, c'est que tu sais quelque chose. Peut-être. Ou peut-être que je voulais que tu penses que je savais quelque chose pour savoir ce que toi tu sais. Quoi? Je t'embête juste. Il n'y a pas de numéro? Il a pris mon téléphone quelques instants avant de me le rendre. Tu en as parlé à quelqu'un? Seulement Rachel, pourquoi? Je vois, c'est très bien. Faudrait pas que cette photo atterrisse dans de mauvaises mains. Et je peux avoir une explication? Je vois pas ce que je peux dire de plus, vraiment. Je sais pas, un peu de contexte, je vois que la photo n'est pas récente, mais elle date de quand exactement? Qui l'a prise? Déjà, je savais même pas que cette photo existait. Bon, pour faire court et ne pas trop en dire, parce que c'est pas mon rôle de te raconter tout ça. Elles ne sont pas ensemble, plus ensemble. Elles l'ont été en troisième et ça a mal terminé. Mais Mélanie ne veut pas que ça se sache alors. T'en fais pas, je dirais rien. Je me doutais que Juliette aimait les filles, mais
Je ne savais pas pour Mélanie. Enfin, elle n'est pas en couple avec Édouard. Juliette ne s'en est jamais cachée en même temps. Tu parles d'un scoop? Et pour Mélanie, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas parler en son nom. Elle est peut-être sortie avec une fille sans pour autant ne pas aimer les garçons, non? C'est bien plus fréquent que tu ne peux le penser. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai cours et tu as une réunion avec les délégués du CV machin truc qui va bientôt commencer, non? Ouais, je vais y aller. Et pour Mélanie, motus bosco, tu jettes la clé et tu tires ta langue, compris? Je suis pas sûre que ce soit ça l'expression. T'en fais pas, oui. On y va? La réunion a été assez courte. Madame Vasseur a dit qu'il y aurait bientôt une autre réunion pour organiser un événement pour la fin de l'année. Tout ça pour ça, alors qu'un email aurait suffi. Apparemment, l'année dernière, il y avait une journée de cours banalisée avec des stands culinaires, musicaux, culturels et artistiques en tout genre dans la cour. Mais maintenant, distribuer de la nourriture dans l'enceinte du lycée est interdit, alors elle nous a demandé de trouver une idée d'ici la prochaine réunion. Je dois avouer que, comme d'habitude, j'étais plutôt concentrée sur autre chose. Même en sachant que ce que la photo suggérait est vrai, ça me dit toujours pas qui me l'a envoyé et pourquoi. Après ma discussion avec Clément, je n'ai pas trop envie de discuter de tout ça avec Rachel et Evan. J'ai promis à Rachel de te... J'ai promis à Clément de tenir ma langue. La solution la plus simple, ce serait d'en parler avec les deux personnes concernées. C'est pour ça que je me suis rendue au parc après les cours en espérant croiser Juliette comme la dernière fois et comme elle n'était plus déjà dans le centre du lycée. Je vais chercher, je sais plus ce que j'avais fait. Après 30 minutes d'attente, je me suis décidée à chercher un peu dans le parc, maintenant plus en place. Je me suis un peu perdue, mais de loin j'ai aperçu des silhouettes familières. Hey, salut Saïwa! Qu'est-ce que tu fais là? On était sur le point de partir. Avec Nabil, on allait retourner au lycée comme on a encore un cours. Tu as fini, toi? Oui. Bon, et ben on y va, à plus. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je... me balade? Je me balade simplement? Je vois profiter de ces dernières semaines de cours au soleil avant le bac de sciences et de français. Tu as la chance d'être en seconde. Profite-en, c'est ta dernière année sans examen. Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien, c'est bête, c'est juste. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie d'enquêter sur quelque chose, je découvre autre chose auquel je ne m'attendais pas. Et du coup, je me perds un peu et je ne sais plus qui c'est quoi, ce que je sais, ce que je suppose, etc. Je sais que ça n'a pas vraiment de sens, mais je comprends très bien. Ah oui? Tu te mets beaucoup de pression pour rien. Essaye d'arrêter de vouloir sauver le monde à tout prix. Tu sais, si je devais enquêter sur et me préoccuper de tout ce qui attise ma curiosité, j'aurais pas une minute pour souffler. Concentre-toi sur toi, sur les cours, tes amis, etc. Je sais que c'est bateau ce que je vais te dire, mais la vérité finit toujours par éclater. Ça ne vaut pas la peine de courir partout et de te prendre la tête avec des choses aussi futiles. Ça ira bien mieux pour toi, croisant mon expérience. Mais... pas de mais, pense-y seulement. Je dois quand même essayer de lui parler de Juliette et Mélanie. Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que cette histoire est liée au potentiel assassinat de Juliette? Je suis désolée de te couper la parole, mais je dois y aller. J'avais pas vu le temps passer et on fait une répète avec chez Béatrice. Putain, j'arrive plus à parler. Si c'est urgent, n'hésite pas à me contacter par SMS ou sur Messenger. Avant même que je puisse réfléchir sur ce que Josh venait de me dire, j'ai aperçu Mélanie arriver au loin. Voilà peut-être ma chance. Allez, j'en ai assez de tourner autour du pot et de me poser des questions encore et encore. Je me lance. Mélanie? Quoi? Qui t'a donné la permission de me déranger? Ça, c'est sérieux en fait. Ouhou, j'ai peur, respire un peu, on dirait que t'as vu un cadavre. Vas-y, crache le morceau, mais ça veut pas dire que tu as le droit de me parler quand tu le souhaites. Et fais vite, mon meilleur ami va arriver d'une seconde à l'autre, j'ai pas envie qu'il pense que je traîne avec une fille de ton genre.
Tu me rends vraiment pas la tâche facile, mais bon. Bon, t'arrêtes un peu et tu craches le morceau, ça y voit. Voilà ce dont je voulais te parler. Je vais montrer la photo sur mon téléphone. Quoi? Comment est-ce que tu as eu cette photo? À qui tu l'as envoyée? Comment tu... Attends 5 secondes, je vais t'expliquer. Supprime-la sur le champ, tu veux quoi? Me faire du chantage? Je fasse semblant de bien t'aimer? Ça passe pas, c'est comme ça. Mélanie, stop! Tiens, supprime-la la photo si tu veux. Regarde dans mes messages envoyés, je ne l'ai envoyé à personne. Mélanie a supprimé le message et s'est calmée. Après 2 ou 3 minutes de silence total, elle s'est mise à parler. J'ai jamais entendu parler de SMS inconnus. Fais voir ta liste de contacts. C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a entré un numéro dans ton téléphone sous le nom de numéro masqué. Il me dit rien, mais je connais aucun numéro par cœur. Je vais quand même me le noter. Tu veux en parler? Parler de quoi? Tu crois que parce que tu as été honnête avec moi, on est les meilleurs amis du monde maintenant? Tu sais, les mentalités ont changé. Je ne vois pas pourquoi tu... Je t'arrête tout de suite. C'est pas le fait d'être aussi intéressé par les filles que je ne veux pas que les gens le sachent. Le problème, c'est surtout... Juliette, c'est quoi le problème? Tu sais qu'il harcèle? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je compte sur toi pour garder ça. Attends, j'ai encore des questions. Tu peux pas faire comme tout le monde et stalker les gens sur les réseaux sociaux? Je l'ai vu ces derniers et il rejoint Edward. Ça doit être lui, son meilleur ami. Je pensais que c'était son petit ami. La journée s'est terminée. Après manger, j'ai décidé de me mettre dans mon lit et de suivre les conseils de Mélanie. J'ai hésité à en parler avec Rachel, mais je n'ai pas envie de l'embêter avec ça. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux et des réseaux sociaux de tout le monde en espérant trouver quelque chose. Mais je n'ai rien trouvé. Ni sur le Facebook de Mélanie, ni sur celui de Juliette ou de leur entourage. Je ne sais plus trop ce que j'espérais trouver. En ce qui concerne Juliette, elle n'a pas trop l'air de recevoir des messages de haine. Ce que je pensais être du harcèlement devait être un acte isolé, qui sait. J'ai décidé de faire un tour des gens du lycée, par curiosité. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas Thomas? J'ai essayé Thomas Skiaski, mais personne n'est sorti. Thomas, qui a l'air de s'y connaître en informatique sur aucun réseau social. Je peux peut-être trouver Thomas dans les amis des gens que je connais, non? J'ai trouvé le Facebook d'Astrid, la surveillante, mais on ne peut pas voir ses contacts. Comment il s'appelle, monsieur Skieski, déjà? Bon, il ne va pas avoir beaucoup de Skieski dans notre ville, ou même dans le monde. Ah, il est là. Anton Skieski. Quoi? La seule photo de Thomas que j'ai trouvée semble dater d'il y a longtemps. On dirait totalement quelqu'un d'autre. J'aimerais bien la connaître un jour, son histoire. Bonne nuit. Fin du 7e chapitre. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!